Germans love traffic lights. In Berlin, there are more than 2,000 of them. They just love them. Pedestrians even stop at a red traffic light if there are no cars far and wide. In Berlin, there are special traffic lights that look like men. They are very proud of them. They even print them on t-shirts or cups. But hey, they haven't seen RoboCop. In Kinshasa, there aren't many traffic lights, but the ones they do have, wow, they do their job with style. Je m'appelle Madame Thérèse Isaï Kirongozi. Je suis ingénieure de formation. C'est moi et mon équipe Women's Technology que nous avons fabriqué ces robots roulage intelligents. La forme du robot, il est très imposant. On peut mettre des caméras de surveillance, on peut mettre aussi des capteurs de vitesse, on peut mettre des radars. Les accidents de circulation routière, c'est la deuxième cause de mortalité en Afrique. Chaque jour, l'endroit où nous sommes, il y avait beaucoup d'accidents de circulation routière. Avec cette machine que nous avons installée ici, nous avons atténué à peu près 40% des accidents de circulation routière. Au moins 50 à 60%, ce sont des matériels de recyclage. Nous aidons l'environnement au lieu de jeter et nous les prenons pour fabriquer le robot. Europeans also love the planet, but they produce a lot of electronic waste. They could be building beautiful traffic lights from it. Nous pouvons vous aider de mettre un robot dans un carrefour X et puis qui est en train de réguler la circulation. Je trouve que Berlin a aussi besoin de ces robots roulage intelligents qui peut réguler aussi la circulation dans les rues de Berlin qui est une grande ville dans la nouvelle technologie.